des premières possessions en faveur des Chartrains qui vont démarrer avec notamment Alexa Kolakovic, le Serbe, en maître à jouer évidemment Ivan Verin à sa gauche, Hugo Yunt, vous l'avez vu, au pivot du classique pour l'instant du côté des hommes de Neboja Stojinovic. Ivan Verin qui est loin pour l'instant, la bonne passe au pivot pour Hugo Yunt, sous la barre, le voilà, le deuxième but. Ivan Verin, on essaie d'accélérer un petit peu, on fait le grand tour, ça circule pas trop mal, mais le ballon récupéré par les Chambériens et Benjamin Richard justement qui va aller seul défier le portier adverse et égaliser pour les Savoyards. Ballon récupéré et sanction immédiate avec cette concrétisation, le point serré de l'Alsacien de naissance. Johnson, ça coulisse plutôt bien pour l'instant. Yosugoni, oh, il a touché ce ballon. Milan Bomastar, me semble-t-il, il n'a plus que le dévier sur son poteau. Et ça fait 3 partout. Nouvelle égalisation pour Chambéry. Ah, il est vraiment pas loin. Et Chartres qui continue, hein, même sur la plus petite démarche, de faire la course en tête, qui prend l'avantage. Chambéry revient, et puis ainsi de suite pour l'instant. La balle à l'aile, Benjamin Richard, pas beaucoup d'angle. Et la parade de Milan Bomastar qui s'interpose. C'est bien fait. Ça file jusqu'à l'aile, Vanya Ilic, une première solution dans le jeu et la parade, non c'est au fond, pardon. Vanya Ilic qui était un peu sevré de ballon hein, depuis le début de cette partie. Ouais, superbe, Hugo Yun, bien joué, superbe. Superbe cet enchaînement et le jeu collectif des Chartrains qui permet au jeune pivot de doubler 2 sur 2 pour lui. Avec cette roucoulette en déséquilibre tout en tombant dans la zone. Hugo Brouzé, des vies, super le kung-fu, mais la parade d'Arunodzic face à Bzinga, la deuxième là, mais le portugais qui concrétise malgré la parade du jeune gardien bosnien. Il est plus rapide au nez et à la barbe d'Hugo Brouzé. Ah, c'est compliqué hein, de trouver de la... Oh, il est rentré ce ballon, Milan Bomastar qui avait fait le plus dur, il pensait en le touchant, il manque pas grand chose. Il manque pas grand chose, Zoran Radic pardon, qui est rentré hein, au relais du Serbe. Et une occasion pour Yosugoni et ses partenaires de revenir à une longueur, le bon service au pivot pour Pierre Paturel dans un rôle qu'on a peu vu en première mi-temps, plus offensif. On revoit le bon service de l'Espagnol. Au nez et à la barbe d'Ilia Butovic. Le grand tour, la petite feinte, Onufrienko, ouais, malgré une bonne défense et la parade en plus de Filipovic. Voilà. Avec Verin, Onufrienko, Kolakovic sur cette base arrière. Le Serbe qui libère parfaitement à l'aile. C'est bien fait cette accélération pour Dimitrov. Superbe séquence collective là des Chartrains. Maître du tempo, hein, véritablement. Possession très tranquille et la petite accélération. On y est dans ces 10 dernières minutes où tout va se jouer, le destin, le sort de ce match. Ouais, la parade de Milan Bomastar, énorme, qui était sorti très très haut, très très tôt sur le tireur. Il nous fait une sacrée deuxième mi-temps. Il était à quoi, 3 arrêts à la pause. Et bien, voilà son 6e de cette deuxième période. La grosse défense de Chambé, ça coulisse plutôt bien, mais le tir à la hanche et ça finit au fond. Filipovic qui s'incline et ça fait plus 5 écarts maximum au pire moment du match pour la team Chambé, au meilleur moment pour les visiteurs. Ouh, à deux doigts de l'interception, Costaya, il faut marquer pour Chambé, il le trouve la faille finalement. Face à Bomastar, Chambé toujours vivant, mais ça ne tient qu'à un fil, 3 minutes 30 à jouer dans cette partie. L'Espagnol qui marque, qui rejoint le banc pour la séquence défensive. Des Chartres vraiment qui aura fait un match plein, sans temps faible et encore une nouvelle fois que la victoire qui paraît scellée cette fois-ci. Et les Chartrains qui vont remonter à la 10e place de cette Liqui Moly Star League à hauteur de Dunkerque. Et comme dit, qui pourront tranquillement aborder cette fin de saison avec toujours cette ambition d'être le poil à gratter du championnat. Les 5 dernières secondes, Ivan Verin envoyé au sol. Le chrono tourne, c'est pas grave, on en restera là.
malgré cette, ce dernier contact. Ivan Vérin et la joie mesurée des Chartrains qui réalisent pourtant une très très belle perf. Ils auront toujours été devant quasiment dans cette rencontre.